Eh bien, salut tout le monde, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ratchet & Clank 3. J'espère que vous allez bien. Enfin, c'était laissé après avoir fait un truc nul totalement avec des robots pour s'entraîner, soi-disant. Ah bah voilà, ah bah voilà, ah bah voilà, voilà, j'enchaîne les gens. Je me suis même pas entraîné. On avait fait des trucs avec des robots du coup. On avait aussi fait un truc sur la planète Tyranosif, là où il fallait prendre possession d'un. On va s'en aller, hein? Avant que le phénix il explose. Du coup, ouais, on avait fait les trucs de Tyranosif. Bah d'ailleurs, vous savez quoi? On va y retourner. Parce que, je vous rappelle, on a récupéré le Swinger. Donc, on va vite fallu récupérer le boulon en titane. Bon, comme ça, ce sera fait, hein. Voilà, bah, je vais pas souvent faire ça, mais voilà, ce sera fait. Et du coup, on avait fait les vagues d'ennemis, les machins, les trucs. Je pensais gagner plus que ça, finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Enfin, on s'en est même très bien sorti, parce que je suis pas mort une seule fois. Je crois que depuis le début, je suis pas mort une seule fois. J'ai dû tomber dans le vide une ou deux fois, tu vois, mais. Jamais mort à cause de la perte de vie ou quoi que ce soit, donc. C'est plutôt cool. Du coup, retournons vite fait récupérer notre boulon titane. Histoire de dire, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir changer d'apparence si on veut. Là, je pense qu'on va être pas mal, non? On va aller voir ça. D'ailleurs, est-ce qu'on a une nouvelle arme? Non, pas du tout. Pas du tout, mais on va en acheter une. Alors ça, c'est pas ultra ouf. Ultra ouf, oui, tout à fait. C'est pas ultra efficace. Bon, on va l'acheter quand même, mais... On verra. Je vais juste rusher ça. Hop. Tac. Hop, faisons les choses bien. J'attends ce truc. En vrai, je pense que dans les speedruns, ça doit être beaucoup utilisé. Hein. Le truc que je... Enfin, il voulait pas s'accrocher. Ce truc là, là, le genre, hop, non, raté, bon, ouais, vous avez compris. Hop, les, voilà. Ouais, donc du coup, le truc comme ça, là, ça doit être beaucoup utilisé, je pense, en speedrun pour gagner un maximum de temps. Je pense que ça doit être utilisé. Tac, tac, on est go du coup pour la planète Dax. Donc là, il y aura trois chemins différents, donc on va faire les deux annexes. Enfin, on va en faire un en priorité parce qu'on va avoir un truc très sympa. Et on fera. Enfin, on fera les. Oh, ah non, il y en a deux qui sont principaux en fait. Il y a deux chemins principaux et un chemin annexe. On va faire d'abord l'annexe parce qu'il rapporte quelque chose de très sympa. On va avoir besoin du sniper, très clairement. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Même si le lance-roquette aurait pu être pas mal aussi. Alors. Le centre de Dax est protégé par deux terminaux de sécurité. Selon mes sources, l'un d'entre eux se trouve dans les îles. L'autre est situé dans le bâtiment principal. D'accord. Du coup, notre but, c'est d'aller juste au-dessus, là. Parce qu'il y a quelque chose de très sympathique, vous allez le voir très vite. Et d'ailleurs, c'est sur cette planète-là que cette arme-là m'avait bien aidé. Il me semble que c'était sur ça, parce qu'elle est plutôt efficace. Et aussi, c'est ici qu'il y a le truc. En gros, on va pouvoir on va avoir une arme qui nous permettra. Bah, c'est l'arme qu'on a munition à l'infini, qui nous permettra de transformer des ennemis en quelque chose. Je ne vous dis pas quoi, je ne garde le suspense. Et en gros, il faut transformer tous les singes d'ici en cette chose-là. Et du coup, bah, c'est par exemple ce défi-là qui va me poser problème. Ah, alors voilà pourquoi on va avoir besoin du snipe. Parce que ce truc-là, là. C'est horrible! C'est horrible de chez horrible! Donc on va en abuser de cette arme parce que sinon on va pas s'en sortir. Hop. Parce que les trucs font très mal. Hein. Très clairement, ils font extrêmement mal donc il va falloir se méfier. Hop, parce que dès que j'ai plus de mine, c'est fini. D'ailleurs, cette zone-là, je l'avais fait en rochant aussi. Hein. En fait, j'avais fait beaucoup de zones en rochant, je me rends compte. Hop. Hop. Bon, c'est pas très dur non plus, hein. Mais bon, quand j'étais petit, c'était dur. Encore une fois. Salut, toi! Non? Je l'ai même. Pour l'instant, j'aurais même pas laissé le temps de tirer une seule fois. Hein. Je suis un sans-cœur. Et pas les sans-cœurs de Kingdom Hearts. Là, je me méfie, j'attends de voir s'il y en a un qui pop. Ah, mais il y en a un qui a pop, il y en a un qui a pop, je l'ai vu, je l'ai vu. Non, j'ai confondu avec un vaisseau. Le mec en stress quoi.
Bon, ce que je redoute, c'est quand il y en a deux qui vont arriver en même temps. J'ai pas du tout kiffé. Ah, trois carrément! Ah, d'accord, on en est là! Oula, oula, oula. Oh là là, je suis n'importe quoi. J'ai plus de mine! Bah là, j'ai plus d'idée. bah, lance-roquette aurait pu être pas mal. On va utiliser ça. Ah, mais ils sont beaucoup trop loin! C'est quoi ces trucs? Ah, non. Je croyais que j'avais trouvé un passage secret. Vous voulez pas venir un peu plus par là? Je suis allé avec ça. Ils sont trop loin. Non, mais t'y crois ça? Ils sont beaucoup trop loin. Arrêtez de tirer! Boum! 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 Oh là là, j'adore cette arme. Hop! Bon, je crois que c'est bon. On a tué tous les trucs chauds du slip. Hop! Toi, hop, un petit coup de fouet, ça fera pas de mal. Enfin, si, ça a tué, mais ça fera pas de. Enfin, voilà. Ok, alors. Du coup, on arrive à un endroit très sympa, un truc. La première fois que j'ai eu ça, j'étais en mode. C'est trop bien! Et en plus, on va pouvoir faire des glitches avec ça en plus. Tadam! Les super boîtes! D'ailleurs, les bottes qui sont plus grosses que Ratchet. Les super boîtes. Oui, je sais. Donc, on a déjà vu ça dans le 2, je crois. Et juste là, normalement. Non, de l'autre côté. On a une petite statue aussi. Ouais, je connais le jeu par cœur, ouais. Et du coup, maintenant, nous pouvons utiliser les super bots et juste... Tes trophées sont exposés dans la... Oui, je sais. Bon, voilà, on va pouvoir aller super vite et surtout, on va pouvoir faire des trucs du style... Ah non, faut que je sois dans le vide. Ah merde. Ah bon, bah, je vous remontrerai une autre fois. Il y a un glitch que je faisais dans... Enfin, un glitch. On va recharger nos mines, par contre. Hop. Un glitch que je faisais dans Ratchet & Clank 2. En gros, c'est-à-dire que je dashais avec les super bots et en fait, je mettais un coup de clé et ça me permettait d'aller plus loin. Donc, quand je sautais dans le vide, ça pouvait être très utile. Ça pouvait être très très utile. Bah, je vais vous montrer ça, même si je vais mourir. Histoire de vous montrer une petite... Ah, quoi que même pas. Regardez. Donc, l'idée, c'est que tu fais ça. Et après... Ah, non! J'ai touché le rebord, ça n'a pas marché. Bon, on va faire ça dans le vide, hein, ce sera plus simple. Hop. Normalement, on est laissé... Bah, vous savez quoi? On va même... Raté. On va même faire ça encore mieux. On va monter tout là-haut. Là, c'est le chemin, c'est un des chemins principaux. On va se mettre là et regardez. Si je fais ça, et ça, voilà. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est très clair mon explication, mais l'idée, c'est d'aller très loin. On faisait, en fait, en mettant un coup de clé. En plus, ça permet de remonter. Je vais vous montrer ça mieux. Ah, pas du tout. Bon, bref. Vous m'avez compris. Il y a un poisson dans l'eau. Qui a me bouffé. Bon voilà, bref, c'est très cool. Ça vous permet de faire des. D'aller plus vite, etc. Ça va être très très cool. Genre par exemple, là je fais ça. Et voilà. T'y es. Alors toi, lui c'est un boss. Ah mais je peux pas le tuer pour le moment. On va rester avec. Bah, on va prendre le fouet parce que je crois qu'il va y avoir des petites bestioles là-haut. Hop. Hop. Donc ça va être un boss un peu spécial parce que c'est une. C'est un espèce de vaisseau. Un vaisseau tyrannosif, mais. Voilà, c'est bizarre quand même comme mode, je trouve. Il sort du lot, je trouve. Oh, mais tiens, mais un petit raccourci, tiens. Regarde-moi ça. Ah, dommage. Ah, très dommage. Ah, je vais le retenter quand même. On va juste faire le chemin classique. Si jamais je remeurs, je ferai une ellipse. Hein. Hop, je vais juste refaire le chemin classique pour vous montrer où ça mène. Mais merde, 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 merde. Tuez-moi. On va y arriver, on va y arriver. Je vous le promets, on va y arriver. Hop. Mais pourquoi tu t'arrêtes, Ratchet? C'est bizarre. Je tente des trucs de speedrun de je sais pas quoi là. Mais du coup, normalement on est censé passer par là, machin. J'en ai marre de moi. Je me fatigue. Je galère à faire un truc.
ultra simple, mais j'y arrive pas. Parce que je veux aller trop vite. C'est bon? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Il s'arrête dans le vide. Ah, peut-être que c'est un truc qui a été corrigé pour éviter qu'on cheat justement. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Bon, on tente une dernière fois ça parce que vraiment. Ça me. Ah, mais attends. Je sais comment on peut faire. Putain, pourquoi je me fais chier avec ça? Sérieux? Fais le chemin classique, arrête de faire n'importe quoi. Regarde. Ok. Mais genre! Mais Ratchet! Tiens, remonte, vas-y, remonte, remonte. 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 Bon, faisons le chemin classique. Le jeu, il veut pas qu'on cheat, c'est chiant. Je suis pas d'accord avec ça. Normalement, on devrait pouvoir, sérieux, sans déconner. Bon, au moins, c'est bien fait, ça veut dire que le jeu a été travaillé et qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse pas exploiter ce genre de bug. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie de faire le speedrun, parce que sinon. Je vais rager comme un porc parce que je suis pas très doué pour quand c'est fait au millimètre près. C'est pas trop ma spécialité, hein, on va pas se mytho. Hop. Hop. Je sais pas pourquoi il y en a un autre. Ça passe clairement comme ça, ça passe très bien. Hein. Hop. Ah, j'avais pas vu le truc. Les points de contrôle, donc si je meurs, je reviens ici. Ça c'est cool. Aïe. Okay, là par exemple, genre, je pense à Speedrunner, tu vois, il met un petit coup de dash, et puis. Ah, mais il y a un point de contrôle en vrai. Je peux tenter. Mais t'as vu, il s'arrête! Mais. Je comprends pas. Mais. Ratchet? Mais. Je vous jure, je reste appuyé. Hein. Mais il veut absolument. S'arrêter, je comprends pas pourquoi. Peut-être pour éviter qu'on tombe, justement, en fait. C'est bizarre. Je suis déçu qu'on puisse pas faire un peu ce qu'on veut, comme dans le 2, là, on pourrait faire un peu ce qu'on voulait. Bon, après, je vous montre tout ça, mais j'en ai aucune idée. Hein. J'ai jamais speedrunné le jeu, je sais même pas si c'est censé marcher. Hein. Alors que concrètement, dans le 2, là, je vous montrais des glitches, c'est parce que. Ou dans le 1, je vous montrais des glitches parce que je savais que ça marchait parce que j'avais déjà fait. Ok, salut. Oh, c'était beau ça. Tac. Hop. On est full une. Et on est ready pour le boss. Alors, on va commencer direct avec le sniper, je pense. Ça va lui faire un maximum de dégâts. Bon, c'est mieux si j'esquive les missiles. Ah, bon, pas besoin de viser. Hein. Je suis un fou. Avant, on va éviter de casser le mur tout de suite, là. Sinon, ça va pas le faire. Moi je te dis, j'ai pas besoin de viser, je suis un thug. Qu'est-ce qu'on améliore du coup cette fois-ci? Tiens, on va poser des tourelles. Je sais pas combien je peux en poser, mais bon. Oh, il casse tout! Oh non! Un enfoiré! Tiens, la lave. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ah, je te coupe. Putain, je suis con, mais je suis con les gens, mais aussi je me fatigue, je fais n'importe quoi. Bon, je vais utiliser des armes qui sont utiles. Je vais arrêter d'essayer d'améliorer tout et n'importe quoi. Le snipe on sert parce que ça fait mal. Hop. Ouf. Non, j'ai raté. Ok, ensuite on va y aller avec un coup de ça, parce que ça doit faire mal. Pas tant que ça. Ah, c'est pas ouf. Hein. Alors que c'est niveau 3 quand même. Ils sont résistants les boss de ce 3, hein, j'ai l'impression. Contrairement aux 2 où les boss on leur roulait là-dessus, on leur roulait dessus. Non, je peux lui. On va y aller avec ça. Je peux pas le tirer. Ah non, il est encore niveau 2 ce truc là.
On va le faire passer à niveau 3. Pas de soucis, on va l'achever avec. Viens, vas-y. On va te mitrailler avec ça. Ça te fera du bien. Mais il est super résistant, rien, je m'en rends compte. Ouais, avec le lance-roquette, ça aurait été plus facile, je pense. Et il est pas très dur non plus, hein. Vous remarquerez que c'est pas le boss ultra dur. Je trouve déjà le boss, la limace là, elle était déjà plus dure. La reine des tyrannos glyphes. Ok, on va te finir avec ça. Reste là! C'est bon! Elle a même pas évolué, génial! Ah si, merci! Encore heureux. Ok, donc là on va pouvoir cibler normalement. Oui, parfait. Ça me les aide déjà plus utiles que. Ouf. Que rien en fait, ça nous est très utile. Vise-moi ça! Courtney Gears a trouvé là son plus grand fan! Courtney qui? Courtney qui? La méga bobon qui remet les prix dans Opération Destruction! Oh, je vois. Celle qui est munie d'airbags en série. Ouais, par contre, le truc que je piche pas, tu vois, c'est comment chanter comme une casserole avec les poumons qu'elle a. Tiens, étrange. Cet ordinateur a récemment servi pour monter un de ses clips vidéo. C'est pas vrai! Fais voir! Enfin, je veux dire, il contient peut-être un indice ou autre chose. Comment ça va tout le monde? C'est Courtney Gears. Vous êtes avec moi les robots? Moi je suis avec vous. I see the future, and what do I see? Robots going crazy across the galaxy. Can't stand organics, they're soft and squishy. The time is now, where robots must be free. Vous voulez être libre? Alors criez avec moi, ouais! Miss Gears est peut-être de mèche avec Nefarious? Ah ouais, qui l'eût cru? Elle avait l'air si douce et si innocente dans ses vidéos. Enfin, sauf dans celle avec le pumf, 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 tu sais. Elle sait peut-être quelque chose sur les intentions de Nefarious? Eh ouais, pas bête. On doit gagner le jeu Opération Destruction si on veut avoir une chance de lui parler. Vous êtes avec moi les robots? Moi je suis avec vous. Au secours! Au secours! Ce clip de la mort. Mais après, la musique est stylée. Moi, j'aime bien. J'irai pas jusqu'à l'écouter tout le temps, mais. Mais moi, j'aime bien, quand même. Alors, ça, on est obligé de le faire. Hein. C'est pour un moulon. Ah. Mais non, mais. Ratchet saute! S'il te plaît, on a vu qu'il a sauté puisqu'il a. Il a utilisé le. Le truc, mais il a pas sauté comme il aurait fallu. Mais t'as vu, il saute pas! Je suis pas très doué aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas très doué. On s'arrête et on saute. Ok, c'est bon. Ok, là tu vas bien haut. Hop. Hop. Et hop. Ok. C'est bon? C'est bon! Ça c'est récupéré. Ok, donc il va falloir aller au Opération Destruction pour faire des trucs. Donc comme ça, on avancera un petit peu là-dedans. Ça nous filera un peu de thunes d'ailleurs. Bon, d'habitude j'ai plus de thunes dans le jeu d'ailleurs quand je le fais parce que je fais Opération Destruction avant même d'arriver ici. Donc forcément, mais bon. Ah, je peux pas me. Oh, dommage. Mais bon, là. Hop. Tac. On va jeter ça, tiens. Hop. Ça c'est cool, c'est les petits robots qui viennent nous aider. Bon, je les ai invoqués, mais ils vont pas pour me suivre. Oui, du coup j'ai un peu plus de thunes, donc là normalement j'ai déjà le canon, j'ai déjà tout. Hein. C'est... voilà quoi. Alors que là j'ai pas grand chose. Bon, commençons.
Avec des robots déjà. Salut. Oh. Vous voyez, c'est efficace. Je vous l'ai dit. Cette arme m'avait sauvé la life parce que cette planète-là, j'y arrivais pas. Et ce truc-là, c'est ultra puissant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je me rends compte, je crois qu'il faut que je tue l'ennemi pour que l'arme évolue. C'est bien de s'en rendre compte. Alors qu'on, ça fait déjà 6 heures qu'on joue au jeu. Enfin, pas 6 heures, 3 heures, 4 heures, je sais plus. Je ne sais plus. Ah bah attendez, on va voir les singes. Bah ils sont là-haut. Je sais pas si vous les voyez là, l'espèce de truc là-haut, c'est bah c'est les singes. Enfin, c'est considéré comme des singes dans le jeu. Hop. Vous voyez cette arme, comment elle est ultra efficace. Et bah voilà. Je ne vous avais pas menti. Hop. Alors, on va invoquer des petits bonhommes, on va invoquer des tourelles. Calmez-vous. C'est mardi. C'est cool, hein. Ça aussi, c'est fort. Tu laisses les autres faire et puis voilà. Ça va bien, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Bon, arrêtons de faire les zouaves et tuons ça rapidement. Et c'est cool parce que les toiles elles cassent les trucs en hauteur. Qui auraient dû. Que je n'aurais pas pu casser en temps normal. Qui donne des boulons, je crois. J'ai l'impression. Hop. Tac, tac, tac. On récupère tout. Oh non, il y avait un x2, je l'avais pas vu. Oh non. Les êtres organiques sont attendus au secteur 8 pour exécution immédiate. Merci de votre compréhension. Vite. J'ai le bonus x2, faut en profiter. Il y a un gros qui va pop, je crois. Oh boum, évolution, allez, ça dégage. Deux coups, trois coups, et ça suffit. Hop. Oula, oula, oula. Bon bah on n'aura pas eu grand chose avec le x2. Oh salut toi. Oh, bonjour. Putain, il m'a touché. Salut toi. Le fouet. Hop. Ça dégage. Alors, faisons un petit coup de piratage. Il y avait longtemps. Je crois qu'on l'a fait au dernier épisode, mais c'est pas grave. Hop, hop. Tac, tac. Merde. Mais déjà là, ça commence à se complexer. Là, avec les shields qui sont à ras du cul avec un rouge là. On aime pas du tout. Hop. Et ça dégage. Ah merde, il y avait une autre manche, j'avais pas vu. Ça, c'est la dernière. Il en faut 15. Hop. Pour l'instant, ça va. Bon, je vous ai dit, si on rate un vert, c'est pas gênant. Hein. Et surtout, les rouges, faut faire très gaffe. Ok. Salut les gars! Comment ça va? Hop, ça dégage! Oh, j'ai tout cassé! Ah si, bah vous voyez, des fois le truc de Magitech qui casse tout. Ah, c'est peut-être tous les stacks de 10. Il y a encore des ennemis? Non. Alors. Ah merde, comment on accède ici déjà? Ah, je sais plus. Il me semble qu'il faut pirater un truc. Oh, ça donne rien, ça donne. Bon, bah avançons. On va peut-être se servir un peu plus de celle-là pour qu'elle évolue au max. Parce que celle-là, quand elle est au max, mais mon dieu. Ah, par contre, les singes. Ah oui, les singes font mal. Les singes font très mal. Faut que je me méfie les singes. Les dégâts qu'ils m'ont mis 2 balles, je suis déjà à mid-life. Faisons gaffe.
Et ouais, cette arme là, elle est. Faut que je la fasse évoluer level 5 parce que level 5 elle fait un truc de malade. Qui est ultra utile. Ah bah voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on. Ah, par contre, Ratchet, t'arrêtes pas au-dessus du vide, c'est chiant. Bon, je suppose qu'on a un timer, mais comme on a les super bots, bah, on les donne en l'air. Alors, on est bon. Je suis paniqué. Oh le bâtard! Tiens, boum! Bon, on va plutôt utiliser ça. Hein. C'est clairement le meilleur truc. Je pense qu'on est bon là. Ah, il me semble que c'est pour le boulon en titane, hein, si je dis pas de conneries. On va ici. Tac. Ouais, il est là-bas, on le voit. On a combien de temps? 26 minutes? Bon, on finit la planète et on se laissera là. Oh, j'ai raté les caisses ici! J'avais pas vu. J'avais raté les caisses. Bon, il y a deux caisses. Mais bon, je vais pas faire un aller-retour pour deux caisses quand même. Non. J'ai voulu tenter de sauter. Mauvais bail. Mais cette planète-là aussi, je crois que je l'avais rush. Hein. Il me semble que j'ai tout rush dans le jeu, au moins une fois. J'ai l'impression. Hop. Ah, il s'est pas arrêté, c'est l'autre. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. Hop, un petit coup de piratage. Il y a deux manches. Bon, c'est quand même moins fun qu'avant ce truc. Là, c'est, je trouve que dans le 2, c'était plus intéressant. Là, je trouve pas ça très intéressant pour le coup. Ah, dans le 2, il y avait deux sortes de piratage aussi. Parce que là, je sais pas, c'est. Je suis pas fan. Avant ça me gênait pas, mais là je trouve ça un peu plus ennuyeux qu'avant. Oulala, il y a du rouge partout. J'ai failli vomir. Alors, salut vous. Oh, c'est quand même plus efficace l'autre. On passe mytho. Oh! Putain, je crois que mon arme avait évolué, je suis trop deg! Oh là 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 là! Oh, il y a du monde là! Il y a du monde! Punaise! Je m'y attendais tout sauf à ça! C'est mal ennemi là! Il y en a qui me gratte. Ouf! Punaise! Il y avait du monde, hein! Hop, maintenant on va faire un petit tour. Ah, mais non, mais je crois qu'il y avait un truc de feu! Tu es intéressé par une carrière dans le secteur passionnant de la sécurité? Je crois qu'il y avait un truc de feu ici. De la maintenance télé. Attends. Je crois qu'il y avait un truc de feu caché sur un côté. Ouais, oh merde, putain, je l'ai pas vu. Oh non, je suis blasé, on a fini la planète et je vois le truc de feu après. Oh non, je suis tec. Non. Bon, on va le laisser là. Vous savez quoi, on va tenter même un truc. On va faire le piratage. Trois manches, génial, le fun. On va faire le piratage, on va tenter d'avoir un cinématique avec... le truc de feu, on a, la dernière fois ça l'avait pas fait. C'était sur une des premières planètes là, à l'épisode 2 je crois. Mais je sais pas, je veux tenter pour voir si c'était pas parce que j'étais arrivé à la fin du temps, même si ça m'aurait étonné. Merde. Hop. Oh putain, oh, il y avait une volée de verre là, j'avais même pas fait gaffe. Oh, du rouge. Non, mais... Oh non, j'ai fait l'inverse. Il y a beaucoup de rouge là. Hein.
Ok. Les doigts dans le lit. Alors, allons chercher le truc de feu. Pouvoir du chaos. Je suis déçu. Ce terminal devrait nous donner accès à tous les fichiers de Nefarious. J'ai quelque chose. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas d'une bonne nouvelle. Bio-blittérateur. Je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce que ça fait au juste? Cette information a été effacée. Ah, non. Mais il est où ce truc? Aucune idée. En revanche, un gros transporteur a quitté ses installations hier. Il s'est dirigé vers le système lunaire d'Obani. Les lunes d'Obani, hein? Bah allons y faire un saut. Ouais, pas tout de suite. Hein. On va s'arrêter là pour cet épisode-là déjà. Et puis on a un truc à faire à Opération Destruction. Et je suis en moitié invisible. Tout est normal. Bon, bah après cette grosse déception. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû acheter d'armes parce que je crois que j'ai plus la réduc comme j'ai relancé le jeu. Ah, je sais plus. Je sais plus. Bon, de toute façon, je vais retourner au Phoenix, je pense. Comment elle marche déjà cette caméra bidule? Oups. Oh, c'est trop nul. Okay. Tiens, Ratchet, ça va, man? Salut, Skid. Est-ce qu'on peut parler à Sacha? Sacha et Quark sont en réunion avec le président, man, mais ils m'ont laissé la charge du vaisseau. Quoi? Enfin, je veux dire, ah ouais! Et est-ce que Al est dans le coin? Parti déjeuner. Et Helga? Elle est dans le sauna. Le singe de Quark, peut-être? Bon, écoute, dis juste à Sacha que Clank et moi, on part enquêter sur les lunes d'Obani. Les lunes d'Obani? Eh, hey, les mecs, mais faut pas y aller sans renfort. Allez, je prends mon matos et je vous rejoins. Non, s'il vous plaît. Bon bah comme ça c'est réglé. On a eu le Dobani mais faudra retourner en perception, rencontrer Courtney. Ok. On va juste retourner au Phoenix pour avoir la réduc pour moi après, parce que je vais enchaîner un ou deux épisodes après. Et du coup bah voilà, on va se laisser là pour cet épisode. Prochain épisode du coup on fera les défis d'opération de destruction jusqu'à ce qu'on ait rencontré Courtney Cares. Et puis après on ira sur les lunes d'Omani. Qui est une planète spéciale parce que on va en gros être un peu en mode Mario Galaxy, genre ça va être vraiment une planète ronde et on va tourner autour. Ah mais on a déjà eu ça dans le 2 en plus. On a déjà eu ça dans le 2 si je dis pas de conneries. Non c'était pas. Enfin bref, on se laisse là pour cet épisode. Ah non j'ai encore la réduction quand même. Autant pour moi, ok. Du coup, on se laisse là pour cet épisode. J'espère que vous aurez plus. Prochain épisode, on ira sur Opération Destruction. Je sais. On a des nouvelles choses ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Ça sert à rien, c'est juste le design, hein, les gens. Comme il n'y a pas de phase en vaisseau, ça ne sert à rien. Bref, mon vaisseau a disparu. Ah non, il n'a pas totalement disparu. Allô? Bon voilà, je suis actuellement dans le vide, hein, je suis super Ratchet. Bref, on se laisse là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Prochain épisode du coup. On s'en fout. Du coup, prochain épisode, on va sur Opération Destruction et puis on ira sur les lunes d'Omani derrière. Bref, j'espère que ça aura plu, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.